J'aurai plaisir dans quelques instants à décrire dans nos studios pour vous le film Trifaiton. Sur les rives du fleuve Saint-Laurent, enracinée comme un solide chêne sur son site, se dessine la paroisse de Lillet. Elle exprime la force de vivre et sa volonté de continuer, tout comme ses précédents habitants. Située à l'est de Québec et patrie de marins, voici en quelques mots et images ses centres principaux. Par la route 2, nous tournons l'œil vers l'école normale. Construite en 1945, les religieuses du Bon Pasteur dirigeaient et dispensaient l'enseignement. Monseigneur Paul Bernier fut le principal de l'institution pendant 20 ans. Quand les écoles normales qui préparaient au brevet B furent abolies en 1968, l'institution devint l'école secondaire Bon Pasteur. Il faudrait aussi retenir à notre attention le foyer Bon Secours. Cet édifice, qui est en fait l'ancien hôtel de M. Félix Vachon, a été aménagé en 1961 par la corporation privée qui s'en portait acquéreur. Les Oblates sont directrices du foyer et 40 personnes âgées sont hospitalisées annuellement. Le ministère de la Santé et du Bien-être social en est maintenant propriétaire. Le Collège de Lillet, construit en 1920, est une institution qui demeure vivante dans le patrimoine de la paroisse. L'édifice que l'on voit remplace le vieux collège, devenu inadéquat avec les années. Les frères des écoles chrétiennes assumèrent la direction jusqu'à leur départ en juin 1968. Une des plus grandes richesses historiques de la province, l'église Notre-Dame de Bon Secours. Elle fut érigée en 1768 sous l'autorisation de Monseigneur Briand qui fit démolir la deuxième église pour faire place à celle que l'on aperçoit maintenant. Facile d'accès puisqu'elle est construite près des rives du fleuve Saint-Laurent et aux abords de la route nationale 2, ce qui permet de l'apercevoir des hauteurs de l'île. Sa décoration fut entreprise par Jean, Florent et François Baillarger, de même que par Noël Levasseur, François Lemieux et Jean-Antoine Crégy. Sa petite chapelle, située dans une aile sur le côté de l'église, témoigne aussi de la piété et du respect qu'avaient nos ancêtres face à la religion catholique romaine. Jadis, on l'appelait la salle des habitants.
Aujourd'hui, on l'appellerait plutôt la salle paroissiale. Construite en 1825, elle rappelle le style anglo-normand. Chaque premier lundi du mois, le conseil municipal y tient ses séances régulières. Il y a aussi le couvent du Bon Pasteur, qui fut dirigé pendant les années 1877-78 par le curé de la paroisse, le révérend François-Xavier Delage. Devenu aujourd'hui musée maritime, il servit de 1878 à 1965 à abriter les pensionnaires et les sœurs du Bon Pasteur de Québec qui en acceptèrent la direction. Le 7 août 1906, la Banque canadienne nationale s'établissait à Lillet. Elle était alors la Banque nationale et changea pour le nom actuel lors de sa fusion avec la Banque d'Hochelaga en 1924. On démolit en 1973 l'ancienne banque que l'on aperçoit à droite pour la remplacer par l'édifice que l'on voit maintenant à l'écran. Ce matin, tout est calme. Mais ce que l'on respire ne ressemble en rien à une journée ordinaire. Lillet se prépare en effet à célébrer son 300e anniversaire de naissance. Le silence cache la fébrilité, car tableaux, drapeaux, kiosques, bancs, scènes et instruments de musique apparaissent à nos yeux impatients. Dans quelques heures, le feu d'artifice va éclater et retomber sur des têtes joyeuses et ébahies. L'ouverture des fêtes débute ce soir par la messe concélébrée et présidée par Mgr Charles-Henri Lévesque, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. La télévision de Radio-Canada s'est fait un devoir d'être présente à la cérémonie. Thank you.
Dans la paix. Dimanche le 3 juillet. Nous attendons avec impatience l'arrivée de la parade. En effet, elle a quitté Ville-de-Lillet il y a quelques minutes et se dirige en ce moment vers la route 2 où nous nous sommes placés. Je tiens à dire que tous ont participé, jeunes et vieux, tous se sont donné la main pour que cette parade soit un succès complet. La fanfare de la garde paroissiale ouvre maintenant le défilé sous les yeux d'une foule sans pareil. Maintenant, nous apercevons ceux qui, en quelque sorte, ont façonné à la réussite de ce 300e. Il serait bon de mettre entre parenthèses que Mgr Léon Bélanger, curé de Lillet, à l'arrière de la voiture et à droite de l'écran, est l'auteur du livre « Lillet 1677-1977 ». Le premier et deuxième char, qui ouvrent les défilés, veulent rendre hommage, en quelque sorte, aux belles forêts verdoyantes de Lillet. Le troisième char, lui, se préoccupe de nos valeureux bûcherons et est suivi par une autre fanfare locale. Par cette insertion dans le défilé, on a voulu montrer le dur travail de nos ancêtres semant à la main, ce qui nous fait apprécier la technologie moderne. Le clergé est aussi bien souligné par ce char. On ne pourrait parler de l'histoire de Lillet sans parler de l'histoire du clergé, qui apportera entre autres de nombreuses légendes, comme celle du rocher Panet et du cheval noir, parmi les plus connues. Ce qui lui valut à ce char de nombreux applaudissements. Vous vous souvenez de ses costumes, époque pas tellement éloignée que celle des enseignants en grande robe. Jean Port-Joli aussi s'insère au défilé. Cette municipalité, qui n'est qu'à quelques milles de Lillet, tient elle aussi à être de la fête et témoigner son attachement à ses braves paroissiens. Par ce char, on veut rappeler à tous que Lillet, on lui fête ses 300 ans. C'est une autre démonstration, en tout cas, qui ne passe pas inaperçue, surtout avec ses chiffres rouges géants. Chevalier de Colomb, on ne pourrait vous oublier, surtout pas pour un 300e. La Société Saint-Jean-Baptiste, elle, n'a pas hésité à rappeler à tous les riverains que Saint-Jean-Baptiste est le patron des Canadiens français. Faites-vous comme ceux du char à la mi-carême ou respectez-vous la tradition? En passant, il ne faudrait pas oublier le travail des pompiers, gardiens de la vie et des biens, qu'on néglige trop souvent de mentionner. Sans les pompiers, inutile de crier. Que
et de belles et gracieuses majorettes. Le défilé se termine avec un char illustrant le symbole des fêtes du tricentenaire, entouré de charmantes jeunes filles, toutes vêtues de rose. C'est une démonstration publique qu'on n'oubliera pas de sitôt à Lillet, du moins pour les 100 ans à venir, jusqu'au 400e. Il serait temps que pour cette dernière journée de fête, je vous amène visiter le bon vieux temps. Ce n'est pas le moment d'être triste, même à quelques heures de la fermeture. Un village ancien a donc été construit sur les terrains du collège de Lillet. Vu l'ampleur des fêtes à cause des kiosques, on a dû déboiser. Résultat, un village à la vraie mode de chez nous. On peut y trouver de tout. Comme ces images en font foi. Si votre cheval a de la difficulté avec un fer, arrêtez-vous ici, on se fera un plaisir de vous donner satisfaction. On n'allait pas oublier l'école, même si les enfants pestent contre Charlemagne, inventeur, dit-on, de la bonne éducation. Allez et instruisez-vous. Cette croix de la tempérance, construite en 1843 et que l'on peut voir à 1 000 environ au nord-est de l'église, au bord du fleuve, rappelle l'influence des célèbres croix du chemin. Un village sans chapelle n'est pas un village digne de ce nom, lieu de rassemblement des âmes bien pensantes. Noyau central des fêtes. C'est ici, en effet, qu'a lieu le départ d'une course ou encore que fige pour la postérité une photo souvenir. C'est aussi un endroit où l'on sait être pratique et penser aux parents qui peuvent envoyer leurs enfants s'amuser au coin de la marmaille, tandis qu'eux peuvent visiter en toute tranquillité les différents exhibits sur le terrain. Non loin des rives du fleuve, on peut apercevoir le fameux rocher Panet, avec sa croix illustrant la victoire du bien sur le mal. Il est à remarquer que de nombreuses œuvres de bienfaisance ont aussi contribué à faire une réussite de ce tricentenaire souvenir. Les personnes intéressées à s'inscrire au marathon ou course de fond sont priées de se rendre à la place du tricentenaire face à l'église. L'inscription s'opère tout près du kiosque à poste. Vous avez jusqu'à 15h30 pour vous inscrire. Touristes comme résidents sont bien servis en ce qui a trait aux souvenirs. De belles sculptures en bois et des poupées de chiffon sont parmi les kiosques, ceux où l'on apporte une attention toute spéciale. Car à Lillet aussi, on a des artisans qui se font de plus en plus connaître à travers la province par leur mérite et bien sûr leur talent. Non loin, à l'arrière de l'église, près de la place du tricentenaire, visiteurs et riverains peuvent évoquer les pages de l'histoire navale en visitant le fameux musée maritime. Que d'aventures est ainsi racontée dans les murs de ce musée qui était jusqu'à 1970 le couvent du Bon Pasteur. Il ne faudrait pas non plus oublier les maisons ancestrales de Lillet. Aujourd'hui, nous en mentionnerons parmi les plus vieilles. Cette maison a été construite vers 1680 et est habitée présentement par M. et Mme Albert Caron. Cette autre demeure, construite en 1745, est la résidence actuelle de M. et Mme Georges Cloutier. Soulignons également l'ancien manoir Casse-Grain, construit en 1832. Il appartenait à un certain Ovillier Eugène Casse-Grain et est aujourd'hui habité par M. Lionel Pelletier. Maintenant, les fêtes
partirent à leur fin. Dans quelques heures, ce ne sera que souvenir. Pourtant, dans l'esprit des touristes comme des paroissiens, c'est certainement un des plus beaux moments de leur existence qu'ils ont vécu pendant cette semaine. On a tout évoqué, on s'est retrouvés. Quelquefois, avec des larmes aux yeux, on s'est embrassés. Que 300 ans de joie et de tranquillité aux abords des vagues lentes de cette nappe d'argent et qui avait jadis conquis nos ancêtres quand ils débarquèrent d'outre-mer pour trouver un pays nouveau à édifier, puissent se perpétuer pour les futures générations et qu'eux aussi apprennent à leur oreille la douce mélodie du fleuve venant chantant les louanges de ses paroissiens. Un diable bâtit une église, l'histoire n'est pas folle. Les vieux de l'Élette se souviennent de Charlot, la belle bête et du trou du diable qui guette. Dans ce temps-là, à l'Élette, pour les Pâques, pour les fêtes, les mariages, les baptêmes, les messes basses, le Saint-Crème, du curé trouver la trace et mettre le cap sur Saint-Ignace. Un diable bâtit une église, l'histoire n'est pas folle. Un jour qui faisait chaud, le bon rigolo la débrida, Charlot sans étreinte lâcha. Un diable bâtit une église, l'histoire n'est pas folle. Les vieux de l'Ilette se souviennent de Charlot, la belle bête et du trou du diable.